Bonjour et bienvenue sur Neran Gaming, pour ce nouvel épisode du Blog Divin, le numéro 5. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai déplacé les animaux, enfin, la plupart en tout cas. Voilà. Il y en a certains qui ont spawné naturellement, je suis relativement content. J'ai eu des vaches en plus, des lapins, des moutons, un cochon, ouais, par contre, j'ai eu un cochon en plus. Ça, c'est génial. Comme ça, je vais pouvoir commencer à les reproduire. Mais pour pouvoir les reproduire, il faudrait déjà que j'ai des carottes. Bon. Et j'ai pas de carottes pour le moment parce que ben les zombies tués de cette manière-ci, ben ça en donne pas. Hein. Ni des patates. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est juste pour quand il y a des animaux qui se barre parce que je sais pas ce qui se passe, mais des fois je trouve mes bestioles hors de l'enclos. Alors est-ce que c'est un bug parce que le chargement de la que la vache ou le mouton était proche de la barrière et qu'il souhaitait sortir, et que quand je m'en vais dans le nether ou quand je m'en vais voir vendredi bah après que ça revienne, bref, je sais pas comment ça se fait. Puis là, si là j'ai un lapin qui est coincé, il bouge pas, il est là, il est tranquille. Bien sûr, je vais tout détruire et puis j'essaierai de l'emmener là-bas, mais pareil, il me faut une carotte pour pouvoir l'emmener parce que sinon ça se barre un peu n'importe où. Bon, sinon pour aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, aujourd'hui on va faire un petit peu de déco quand même, hein, parce que cette maison elle est un peu vide. Hein, ici il y a ma chambre avec juste un coffre. Ici, il y a notre salle d'enchantement où j'ai déjà placé la table. Et ici, ben, il commence à avoir un plus de coffres. J'en profite. Donc là, une petite table de craft et un petit four ici, tranquille. Et donc, on va commencer. Ben, on va tout prendre de ce qu'il y a là-dedans. Enfin, tout, non, mais une partie. Voilà. Hops, hops. Ouais, on va commencer par ça. On va commencer par se faire. Pose-toi, voilà. Une armure stand. Ouais. J'ai pas trop oublié comment ça faisait. Allez, attends. Et hop, c'est là. Comme ça. Non, il veut pas comme ça. Et voilà. Ouf, je peux m'habiller tranquille. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ici? Bah ici, je pense qu'on va faire notre petite salle à manger. Voilà. On va faire attention à ne pas tomber. Je pense que je vais plutôt aller chercher un bloc direct. Je pense pas que ça va se tenir sur... j'ai plus de planches. Ah bah non, j'avais utilisé mes trois dernières planches pour faire le... pour faire le piston, justement, qui va nous servir à faire notre petite table. Voilà. C'est pas grave. Je m'en étais douté un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, on va poser notre petite torche de redstone. Notre piston par-dessus. Voilà, ça nous fait une jolie table. Et on repose la demi-dalle. Ah ouais, ça nous fait une belle table comme ça. Tout un escalier, ce serait bien. Pour qu'on puisse s'asseoir quand même, un minimum. Ici. Donc vous avez vu, j'ai quand même aussi fait pas mal de rangements. Je m'y retrouve quand même un petit peu mieux. Si vous vous souvenez du bordel que c'était dans les coffres quand ils étaient dehors, c'était un peu ignoble. Alors.
Et bah voilà. On va pouvoir manger comme ça. Miam miam. Alors, en parlant de manger, bah, il me faut bien une petite cuisine quand même, hein. Hop, ça ici. J'avais pas une table de craft là-dedans, moi. Ouais, bah non, j'en avais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, cuisine. Pour faire. Voilà. Une petite plaque chauffante comme ça par-dessus. Marrant. Bon, par contre, j'ai pas assez de fer pour faire un évier, etc. Par contre, est-ce que... Oui, si, par contre, ça, je pourrais le faire. C'est... un levier... Non, c'est avec du... Avec de la pierre qu'on fait un levier. Histoire de faire style robinet. C'est sympa, quoi, comme idée déco. Hops. Et vu que ça demande que ça, voilà, hops. Et voilà un joli levier. Pof. Oups. Et voilà. Puis là ici je mettrai un chaudron pour avec un peu d'eau dedans pour faire style un évier. Moi je pense que par ici je ferai je mettrai. J'aurais dû rajouter ça tout de suite, mais c'est pas grave. Comment ça s'appelle déjà? Non, moi c'est bien. Une table de craft, un petit coffre de rangement pour amener la bouffe ici. Alors ici j'aime bien aller faire ma petite salle d'alchimie. Alors l'alambic. Voilà. Et voilà. Pour faire comme une table de travail pour. Hop, ici je prépare ma préparation. Je pourrais rajouter un petit truc sympa. Une pointe de redstone histoire de montrer que, entre guillemets, c'est ici que je bosse. Pof. Et que c'est un peu sale. Ça fait un peu plus tache de sang, quoi. Ouais, c'est pas grave. Y'a qu'ici. Je me suis blessé en mixant tout ça. Voilà. On va remonter. Et ici, je vais mettre aussi mon enclume. Voilà, je bing. Ici, ça va me servir un petit peu à tout faire. Une enclume. Là, ici, ben, j'ai pas beaucoup de livres. Et bon, là, les vaches, je les ai reproduits il y a peu de temps, donc je vais pas les tuer tout de suite. Mais dès que je pourrai, ici, ça va être... plein d'êtres libres. Voilà, ça va faire bien. Ça va être mieux en tout cas. Enfin, plein de bibliothèques, pas de livres. Hop, on va rajouter quelques tableaux. Pas ça. Voilà, ça c'est joli. Ça égaye un peu les tableaux, c'est bien quoi, ça remplit. Et puis bah, quand je mange, ça va être bien. Un autre, qu'est-ce qui peut être mieux? Ah oui, mais ça peut être que des 4 ou des 2. Ah, c'est joli ça, je l'aime bien, faut le laisser. Ici, non, il n'y a rien d'autre. Hop, je peux rajouter une petite dalle en pierre ici. Bon, ça fait trop chargé au bout d'un moment. On va aller chercher ben, d'autres trucs. On va chercher un peu de pierre histoire de se faire un deuxième four. Four en bas. Pour se faire une belle cuisine, quoi. Hop. Un peu de pierre. La souris qui déconne, c'est génial. Oups. Non. Voilà.
C'est parfait comme ça. Moi, j'aime bien. Ça fait une petite cuisine, mais elle est pas trop mal. Et sincèrement, je vais vous avouer un truc, les gens. C'est la première fois que je fais une maison, cas comme ça, et surtout avec des vraies pièces. C'est-à-dire là, une vraie cuisine, une véritable entrée, une chambre avec une salle d'enchantement à côté, de la déco, et puis une salle pour ranger. Donc là, ça va vraiment être le grenier, quoi. Avec la poutre. Moi, personnellement, j'en suis assez fier. Pour une fois, sincèrement. Bon, je vais vous avouer que je ne me suis pas trop cassé la tête. Mais je me suis quand même donné. Je me suis dit, allez, il faut quand même se lancer dans un nouveau truc. Et voilà. Donc une belle maison. Bon, elle est un peu dégueulasse. Y a pas beaucoup de vitres. Si, là, peut-être de ce côté-là, il y a un peu plus. Mais pour une fois, je fais une création qui est pas trop mal. Moi qui suis pas du tout builder. Moi j'aime bien. Allez, mettez un petit pouce vert juste pour la maison. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va essayer de se faire quelques potions. On va voir qu'est-ce que j'ai comme potion. Qu'est-ce que je pourrais faire comme potion? Déjà, on va aller remplir quelques fioles. Oups, c'est là. Heureusement que j'ai dit quelques fioles. Voilà, quelques fioles. On va aller récupérer celles qui sont là-bas. Voilà, on va en prendre. Bah, il m'en restait 3 justement. Une petite verrue du Nether. Et ben, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Une potion de force, ça peut être sympa. Justement, j'ai tué un blaze il n'y a pas longtemps. Oups. Glou 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 glou. C'est bon, c'est infusé. Voilà. On va attendre que ça se fasse tranquillement. Et j'aimerais pouvoir commencer à me faire éventuellement des potions de régénération. Vu que j'ai de la pastèque. Ah mais non, j'ai pas encore assez d'or. Ah. Oh bah tiens. Si en fait si j'ai suffisamment d'or. Enfin de fer, je veux dire. Ah, c'est juste hein. Oups. Je sais que j'ai un seau d'eau directement là-haut, j'ai pas besoin d'aller en chercher. Un ailleurs, il est là. Et voilà, le seau d'eau. Pof. Et voilà, ça fait un évier. Et si on travaille. Ah bah si, si je pourrais rajouter. Des dalles aussi, c'est... Ah non, un plan de travail, c'est mieux une pierre. Excusez-moi. Voilà. Et la table de craft après. Et puis voilà, ça fait une petite cuisine. Mais elle est fonctionnelle. Table de craft plus tard. Comme c'est la potion. Yes! Ah, et en même temps... Oh, génial! Oh. Portail du Nether. Enfin, pas du Nether, mais de l'End. Portail de l'End, je... Ouh, elles sont là. Voilà. Ça, c'est précieux, précieux. Ben voilà. Ah, si, bah tiens, ah, c'est une table de craft, moi qui en cherche une. Je suis sûr que vous étiez tous en train de gueuler là, mais si, t'as une table de craft dans ton coffre. Voilà. Et ben voilà. Belle petite cuisine.
Petite salle à manger. Hop, enchantement avec forge. Bah ma foi. Bon, je rajouterai peut-être un tableau par ici, ça sera mieux quand même. Hop, ici je mettrai les livres au fur et à mesure. Potion, oui, bah non, c'est bon. Alors, voyons voir un peu où est-ce qu'on en est là-dedans. Faire l'inventaire, c'est bon. Coupons du bois, c'est bon. Ah, faire un gâteau. Du blé, du sucre et du lait. On se lance là-dedans? Du blé, du sucre, des œufs et du lait. Alors, les œufs, j'en ai. Des sucres, j'en ai. Du blé, on va pas prendre celui-ci, on va prendre celui-là, j'en ai. Un seau, il est là. Et on va aller traire une vache. Hop, donne-moi ton lait. Coucou l'arbre. Alors, bon, on va faire ça dans la cuisine quand même. Oh, ça dans les règles de l'art. Alors, pof, pof, pof. Gnac. Alors, si je me rappelle bien. Ça, c'est pour faire du pain. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Va falloir que j'aille chercher dans le wiki quand même. Hein. Alors, échappe. Succès. Du blé, du sucre, du lait et des œufs. Bon les gens, vous savez quoi, je reviens tout de suite, je vais juste regarder dans le wiki, rapidement, on est pas, on est pour pas longtemps, et puis on va se faire ce gâteau quand même, hein, parce que moi je veux un gâteau. Allez, à tout de suite. Bon, me revoilà. Alors, dans le wiki, si je me suis trompé pas, c'est comme ceci. Non, c'est le, non, c'est l'œuf au milieu. Les sucres sur le côté et le blé en bas. Ouais, génial. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu en plus? Ouais, des fèves de cacao. C'est génial ça. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir aller planter. L'acajou. Voilà, on va se planter l'acajou. On se le plante où l'acajou? On se le plante où? On va abattre un arbre, ça va être plus simple. Oups. Abattu l'arbre. Voilà. Et il me faut juste des nanos. Alors, des nanos. Des nanos, j'ai dit. Voilà. Tu meurs le zombie. Yes. J'espère juste que j'aurai au moins une sapling là-dedans, ça serait bien. Pof, pof. Ça ferait bien chier d'avoir juste le bois d'acajou et pas les saplings, quoi. Voilà. Allez, priez avec moi pour avoir au moins une sapling, ça serait cool quoi. Juste pour être sûr que je la vois. Yes! En voilà une. Ah, je suis sauvé, je pourrais en replanter d'autres alors. Une petite deuxième, ça serait cool. Non, pas de petite deuxième. Si, une petite deuxième, génial.
Ah, je suis content. Voilà. Hop, celui-là. Je vais pas replanter ça tout de suite. Le sapin, c'est bien, ça pousse droit. Du coup, la cajou, c'est pareil, hein. Alors, va se faire ici. Pouf. Graines de cacao, comme cela. Et on fait pousser le tout. Ouais. Ah, c'est parfait, ça. Ouais. Ah, ça en donne plein, non? C'est génial. C'est bonheur, ça. Ops. Et tout fait pousser autour. Donc voilà, donc c'est comme ça que je fais pour obtenir les fleurs, hein. C'est que des fois en... Attends, excusez-moi. Pardon. Et quand des fois quand je veux faire pousser mon champ plus vite, et ben des fois, ben... Ah, je vais trop vite. Mince, oups. Bon, ça m'arrive pas à chaque fois, mais... Ça m'a... Coucou. Oh, bah tiens. Donne-moi une carotte. Donne-moi une carotte. Je veux une carotte. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a rien donné, l'enfoiré. Punaise. Oh. Moi, j'ai vraiment pas de chance. Oups, maintenant, je vais essayer de pousser ça. Tranquille, comme ça. Tranquille, bonheur. Oups. Tant qu'à faire. Hop, ça va pousser plus vite comme ça. Pratique le cacao. Un seul, c'est bon, tout pousse. Alors, voyons voir un peu aussi ce que j'ai fait dans le Nether. Je suis à décoration, puis ça va bien 5 minutes. Alors, dans le Nether, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà. On va manger un petit coup. Miam miam. Alors comme vous voyez, j'ai aussi un petit peu beaucoup avancé. Non. Donc là ici, il y a spawner un squelette qui est là, qui marche toujours aussi bien. Il faut que je fasse attention derrière moi, pas trop m'éloigner. Parce qu'en fait la dernière fois j'étais tellement absorbé par ce spawner là, à vouloir l'optimiser, et puis surtout tu dégages le blaze. Ok, c'est moi qui me casse. Ouch! Ouch, bobo. Donc en fait, il y a plein de pigmen qui ont spawné ici. Je sais pas pourquoi, mais il y en a eu un qui a commencé à m'agresser. Donc bah moi, par réflexe, bah, on se défend. Sauf que j'avais zappé qu'une fois qu'on en agresse un, il y a tous les autres tous les autres copains qui arrivent. Je peux vous dire que ce jour-là, j'avais mal. Hop, on va replanter ça aussi. Je sais plus comment j'ai eu les verrues du Nether. Ah si, c'est en allant dans le... Bah dans le Nether justement. Que demander de plus? Alors. Alors l'œuf de slot, ça va être pratique pour un petit peu plus tard là. Parce qu'en fait je vais me faire une plateforme. D'où est-ce que t'apparais sur mes... Je m'en passe tech toi. Non mais... Oh. Mouton, t'es mort. Voilà. Oups. T'as pas fait long feu toi en plus. Bon voilà. Pas assez de lumière par ici? Allez, une petite torche. Non, l'enflure. Oh. Bon, bah c'est pas grave.
Ben voilà. Bon, pour le moment, j'ai rien d'autre à vous montrer parce que ben ça avance, mais bon, c'est genre je prends pas beaucoup de temps. Si ce que j'étais en train de vous dire, voilà, je reviens. C'est que ici, par ici, ou peut-être par là, à côté de la tour à meubles, vais me faire une plateforme avec que de l'obsidienne. Et puis ça va être une zone où, en fait, ben, je vais faire spawner plein de mobs. Et comme ça, ben, je vais pouvoir avoir des œufs un petit peu plus facilement, parce qu'en fait, tous ces œufs-là, on les obtient en tuant ben, tout ce qui est les zombies, les squelettes, les creepers, etc. Et au moins comme ça, je suis sûr qu'avec de l'obsidienne, et ben, si jamais il y a un creeper qui pète, bah au moins, il viendra pas m'emmerder, quoi. Enfin, j'aurais pas besoin de à chaque fois de revenir et de reposer les blocs. Être un petit peu plus safe, quoi. Ça sera une sorte de cage en obsidienne. Voilà. Bon, les gens, sur ce, bah, on a fait donc la déco de la maison. Je vous ai montré un petit peu ce que j'avais fait autour. Donc le nether que je suis en train de m'agrandir au fur et à mesure. La canne à sucre qui pousse bien. Les virus, c'est pareil. Aujourd'hui, on a eu un achievement. Donc le gâteau, c'est parfait. Cacao. Miam miam, je vais pouvoir me faire des cookies. C'est parfait. Allez, on va regarder un peu les succès rapidement. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors? Aéroport, sauter d'une falaise à d'autres cochons. Donc je crois qu'il faut que je saute d'une quinzaine ou une vingtaine de blocs de haut, je sais plus exactement. Duel de sniper. Bah là, 50 mètres, donc il faut qu'il y ait un squelette qui apparaisse à 50 blocs de moi. Ça va être parfait, ça. Surpuissant, ouais, mais ça, il faut 10 blocs d'or, ils sont tarés. 1 km en wagonnet, donc c'est-à-dire 1000 blocs. Il va le faire celui-ci. Ouais, sauf que je suis tout seul là-dessus. Puis j'ai 9 coeurs de dégâts en un seul coup. Ouais, pourquoi pas. Ça par contre, ça je vais pouvoir le faire assez rapidement. Fabriquer des bibliothèques. Massacre, 9 coeurs de dégâts. Ça va être dur, mais bon, on va le faire. Retour à l'envoyeur, un ghast. Bah oui, mais ça c'est dans le nether. Donc il va falloir que je l'agrandis encore pour que les ghasts, pour qu'un ghast puisse spawner facilement. Localiser le néant, donc ça c'est quand on aura commencé à... Quand on aura commencé le... Oh punaise, oubliez le mot. Quand on aura commencé à construire le portail du néant. J'ai peut-être une petite idée pour le portail du Néo, c'est-à-dire faire une... Je vais essayer de d'ici là, moi, d'agrandir, mais vraiment au max, de faire une grande, vraiment maximum, grande zone. Je pense qu'en faisant des dalles, c'est le bon plan, parce que ça me permet de doubler la quantité de blocs que je peux poser. Et j'essaierai à l'emplacement où je mettrai le portail, et ben de me faire une... comment ça s'appelle? Un temple. Ouais, un temple autour du portail. Je pense que ça peut être une idée assez sympa, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis je crois que ça sera mon plus gros build. Enfin, le premier plus gros build que j'aurais fait. Pour le moment, quoi. Et sincèrement, je le ferai. Parce que je pense que c'est un truc qui va me tenir à cœur. Et plus j'en parle, plus j'ai vraiment envie de le faire. J'en ai 6, il m'en faut encore 6 autres en fait, si je me rappelle bien. Hein. Et d'ici là, bon alors au prochain épisode, qu'est-ce qu'on se fera en succès? On va essayer de se faire celui-là. Peut-être celui-ci. Et peut-être celui-là. Voilà. Bon allez les gens. Sur ce. Bah, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas Facebook et Twitter, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez télécharger la map, pareil, le lien est dans la description. La liste de l'intégralité des objectifs sont dans la description. En fait, c'est le lien qui vous emmène
sur le site où vous pouvez télécharger la map. Et j'espère aussi que le nouvel épisode de Attack of the B-Team vous aura plu. Ça aussi, il faut que je l'améliore. Vous aura plu et que... Et que l'ennemi va enfin revenir. Parce que je m'ennuie un peu tout seul sur le serveur, quoi. Bon, allez les gens, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.